Yo tout le monde, c'est Esteban. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Sword Art Online. Voilà. on va se retrouver sur l'épisode 5 hein. Ouais. Et peut-être sur le 6 un peu plus tard. Parce que bah le 5 il est court et le 6 aussi. Mais comme chaque début de vidéo, j'en ai un peu chié pour tout faire. Mais on va avoir un tirage. On change pas les habitudes hein. Un petit tirage. Et que bah vous allez vous voyez 280 trucs hein. Puis bah c'est lui que je vais faire hein. Bon, allez, c'est parti. Il va m'en rester 155. Est-ce qu'on aura de la chance? Bon, comparé aux autres épisodes, je pense que lui, il devrait à peine toucher la demi-heure, voire 45 minutes. Les autres qui... dont le chapitre 4 qui a fait 1h40. Une journée de plaude. Mais voilà, mais c'est de la merde quand c'est comme ça. Non mais sérieusement, j'ai payé 125 pour avoir de la merde. De la merde. De la merde. Ah, bon, ça c'est bien. Mais elle est en 3 étoiles, je pense. Quatre étoiles. Ah ouais, non mais je vais la mettre dans l'équipe, wesh. Un Klein, ouais. Un Holo. Deavel. Puis on est... Kibao, ce fils de pute. Lui aussi, c'est un fils de pute, Curadil. Et Lifa. Ah, ma petite Lifa. Oh putain, mais. Bon, il y a juste eu un tirage de bien. Faut, on va pas se le cacher. Puis bah. On va faire pareil ici. Double tirage. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Attention! Il fait chaud hein, pour faire deux tirages d'affilée hein. je pense que ça sera le seul épisode. J'avoue que j'aurais pu le garder pour l'épisode 6, mais bon bah dans l'épisode 6 il y aura pas de tirage. Il y aura pas de tirage dans l'épisode 6. Enfin si, on pourra avoir un tirage, mais juste un deux. On pourra juste en prendre deux. Et pas. Pas 11 comme là on a fait. D'Akira, ouais. Golgoroso. L'autre fils de pute. Et lui aussi c'est un fils de pute qu'on voit pas beaucoup, Kagemune. Fils de pute. Un gros fils de pute. Celui seul est un fils de pute. Ah, elle, c'est une gentille. Elle, bon, c'est la responsable de l'ascenseur, quand même. Oh, Yuki! Eugène. Ouais. Il s'appelle Eugène. Et ben, ah non, il m'en reste 30, on pourra en faire que 1. Bah, pas grave, hein. Si on peut en faire qu'un. Ce n'est pas un problème pour moi. C'est juste un. Bon. On part pour le chapitre 5 ou... Non, on va attendre. Je pense que je peux aller taper des petites amies.
Parce que regardez, Sachi elle est là, ok. Mais je pense que je peux prendre l'autre. Oui. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage et j'ai utilisé. Ouais. Pour l'instant, moi, je vais prendre elle. Parce que je sais pas ce qu'elle vaut. J'ai le Kirito de. Ah. J'ai le Kirito de JJO. J'ai plusieurs fois Ozna. Mais là, on va prendre elle. Parce que dans tous les cas, je peux pas modifier. Voilà. Ça vous va? Si, ça devient une petite team sympathique là. Oh bah. Elle va pas augmenter de si tôt, mais bon. Ouais. Asuna, ça donne quoi? Parce que, ouais, tout à l'heure, je l'ai eu deux fois, Asuna. Dans un fameux tirage. Puis j'ai eu beaucoup de L, enfin, de cristaux. Mais on dirait que bah. En même temps, c'est pas elle. C'est pas cette Asuna. Mais bon, c'est pas grave. Allez, trop de blabla. 6 minutes de blabla. On part tout de suite. Hein. Bon, comme vous pouvez constater, voilà le chapitre 3. Il y en a quand même 36, mais je pense que lui, c'est vraiment de la variable. Et voilà. Et on a lui. Mais lui, c'est petit, hein. Mais bon, on fait avec. Allez, on part. M-Nom 1. C'est des robots. On est en 2026. Pour un auto. Oh. Si seulement je pouvais plonger dans l'Underworld pour le sauver. Ouais, si jamais. Oh. Excusez-moi. Un robot? Arrête ça, Emon 1. Monsieur Ega, qu'est-ce que c'est que ça? Comment dire, Emon 1? De son vrai nom. Oh, putain. Electro Addictive Muscle Operative Machine. Abrégé, ça fait Emom. J'ai ajouté le chiffre 1 qui donne Emom 1. Qu'est-ce que vous faites avec votre Emom 1? J'aide Iga à affiner son programme. Hein? On n'est pourtant plus au groupe de recherche. Bonjour, Asna. Bonjour. Rinko. Putain, ouais, là on voit qu'il est en x953. C'est donc ici l'Underworld. Avant qu'il soit attaqué. Le traitement de l'équilibreur est trop lent. Vous avez un processus inerte malgré votre budget? Entre la dissipation thermique et la conso de batterie, on ne peut pas faire mieux que pour la tête. D'abord, ces muscles en polymère sont dépassés. Utilise du CNT. Ça allégera l'ensemble, non? Eh? Ah, pardon, Asna, je parle trop fort. Ce n'est rien. Kirito préférait que ça soit animé autour de lui. C'est aussi le vieux qui nous a fait fabriquer ça. Monsieur Kikuoka? Mais pourquoi? Moi non plus, je ne sais pas jusqu'à où il veut aller. Pour inviter des Fluclites de l'Underworld ici, il leur faut un corps qui peut bouger, dit-il. Oh, alors ce robot va servir de réceptacle à une IA? Non, pas lui. Il y a une deuxième unité. Pour le test d'IA embarqué. Et elle est fine, celle-là. Ah ouais. Ah, une deuxième? Et son nom, c'est quoi? Emom 2? Et voilà. Quoi? T'es sûr? vraiment? Mais pourquoi un modèle avec une IA serait fin? Le cerveau humain ajuste l'équilibre tout seul. Si on tente de reproduire ça mécaniquement, on se retrouve avec un corps énorme. Mais une Fluctlight artificielle dans la tête rendrait l'auto-équilibreur égal au nôtre? Yes! On pourrait donc envisager un corps de taille humaine. Mais c'est fantaisiste, voilà. Mais les MOM 2 en développement, il est assez humain quand on se regarde. Que sa silhouette. Ouais, c'est bizarre.
Les gars, les mômes 2 n'arrivent pas à marcher tout seuls, c'est ça? Hein? Bien sûr que non. Il a bien un CPU, mais le programme de contrôle est vide. D'accord. Asna, tu prends ton petit-déj? Ah, oui. Mangeons ensemble à la cafette. Iga va manger ici avec Emon 1, on dirait. Prenez votre temps. Ouais, tape-toi le robot. Hein. À plus tard, Kiritok. Eh, Kiritok Asna-san, hein. Ah. Qu'y a-t-il, Asna? Rien du tout, j'arrive. Mais il se passe quoi, putain? Asna, parle, parle-nous! Oh, ça va. Faut encore lire. Mais... le retour du chevalier de l'intégrité. Et on est obligé de le faire, chapitre. Ah, Alice. Oh, bah tiens. C'est vrai que dans... qu'on la voit pas du tout. Dans le manga, on ne la voit pas du tout, elle. Je suis rentré, quelle joie de te voir après tout ce temps. Bonjour, Dame Edis. Ça ne fait pourtant pas si longtemps. Edis qu'on ne voit pas. Ben, ça fait un mois, il faisait encore froid la dernière fois. Oh, vous avez raison. Comment sont les nouvelles du Nord? Pas très bonnes. Le Dark Territory s'active ici et là. Ils ne peuvent traverser la grotte en nombre, ça reste gérable. Mais s'ils attaquaient sur tous les fronts, ils nous submergeraient. C'est ce qu'on disait le commandant. Il semble anxieux à ce sujet. Et sinon, Berkoulé est là? Non, il s'est rendu à la porte de l'Est. Il rentrera plus tard. Ah, je vois. Le vice-commandant Fanacio veut un rapport dès votre retour. Je m'en doutais. Tant pis, j'irai lui faire mon rapport. Puis-je vous accompagner? J'aimerais en savoir plus. Bien sûr, le conseil n'en sera plus que plus jovial avec toi. Bien, allons-y. Enfin fini. Fanatio n'était pas obligé de s'emballer. C'est parce que le commandant a dit compter sur elle. C'était plutôt facile à comprendre. Hein. Bon, maintenant que le conseil est terminé, place au bain. Vraiment, dans ce cas, je vais... Allons-y ensemble, Alice! Pourquoi? Je suis épuisé après ce long voyage et ce conseil. Je vois pas quel est le rapport avec moi. Je récupère plus vite avec toi, ça doit être une psychologie. C'est insensé, je n'ai pas un tel effet. Mais si, j'en suis moi-même la preuve. Qu'est-ce que ce vacarme? Vous êtes dans une cathédrale ici. Ah, ce Dolkin. Que signifie ce ah? Tout ce vacarme alors que l'archevêque suprême se repose. Ne fait que dormir. Chef des anciens, que voulez-vous? Utilise votre grâce. Combien de fois devrais-je le dire? Bah, peu importe. J'ai une mission pour toi, Sachi. Une mission? Un meurtre a eu lieu à l'Académie d'escrime de Nocentaria. Un meurtre? Impossible. Ah, ouais, c'est des trucs qu'on voit pas dans le manga. Impossible? Mettrais-tu en doute ma parole? Enfin, le meurtre, on sait que c'est Kirito qui l'a fait, mais cette scène, elle n'a jamais eu lieu dans le manga. Non. Mais tout de même, un meurtre dans la capitale? L'Académie des scribes de Nocentaria. Rends-toi là-bas demain à l'aube et arrête ces meurtriers. Attends, je peux m'occuper de ce travail? Dame Edis. Oh. Ces meurtriers sont dangereux et Nocentaria m'intrigue. Silence, ce n'est pas toi qui décide. Je m'adresse à Sortie. Oh, ça ne te concerne pas, numéro 10. Ah...
Numéro 10. Ah, j'espère. Ok. Merci de votre sollicitude, Dame Edis. Mais je suis un chevalier, je ne céderai pas face à des étudiants. Si c'est toi qui le dis, alors soit. Ne t'avise surtout pas de les tuer. Entendu, je les capturerai vifs. Bien, je compte sur toi. Ce type me tape toujours autant sur le système, ma parole. Cela fait aussi partie de notre travail. J'envie ta patience, Alice. Fais bien attention à toi. Naturellement, je serai prudente, même face à des étudiants. J'ai confiance en toi, Eldry. M'inquiète. Je m'inquiéterai un peu plus. Eldry, je m'inquiète. Oh putain. Et donc, un peu de repos s'impose. En route pour les bains. Encore cette histoire, ça sera sans moi. Je sais pas ce qu'elle a en tête, mais bon. C'est vrai que le Tour de France est parti de Millau. C'est ma ville. Bon, voyons voir ce qu'on a là. L'évasion. Oh, encore de la lecture. Ah, il y a beaucoup de lecture, je trouve, là. Alors, voyons voir ce que ça dit. Ça va faire un jour et demi qu'on est ici. Waouh, un jour et demi. Au moins, vous avez un matelas confortable, je pense. Alors, tu t'es calmé? J'ai l'impression que tout décarrève. Oh. Le bras coupé d'Humbert. La fin étrange de Rayos. N'y réfléchis pas trop, pense plutôt à la suite. La suite? Ah, tu as raison, Kirito. On doit s'échapper de cette cellule et apprendre ce qui est arrivé à Alice. Ouais, il doit y avoir un moyen de s'échapper. Est-ce qu'Alice a été enchaînée ici il y a 8 ans? Dis Yu-Gi-Oh! Je pose la question au cas où, hein. Enfin, juste comme ça. Ce chevalier nommé Alice and Tese Salty. Tu es bien sûr que c'est l'Alice que tu cherches? Sa voix, ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Ils sont inoubliables, c'est bien elle. Mais on aurait dit quelqu'un d'autre. Quelque chose contrôle ses souvenirs et ses pensées. Au canard sacré de ce jour ne se trouve dans les manuels. Ouais, les archevêques manipulent la vie, non? La mémoire doit être un jeu d'enfant pour eux. Mais si le chevalier est bien la véritable Alice, qu'ai-je vu il y a 2 ans au nord de Rulide? Je vous attendrai. Toujours, je vous attendrai au sommet de la cathédrale centrale. Ah, c'est vrai. Quand Selka et toi avez essayé de me soigner, tu auras entendu la voix d'Alice? Elle nous attend au sommet de la cathédrale. C'est encore loin, ma foi. On peut voir la fenêtre d'ici, au fait. On n'avait pas essayé, tiens. Essaye. D'accord. Voilà. Classe 38, 23 500 de durabilité. Tu m'étonnes qu'avec ça, tirer sur les chaînes ne donne rien. Pour couper les chaînes, il faudra au moins une arme ou un outil de classe 38. Ouh, on dirait bien, ouais. Mais dans cette cellule, tout ce qu'on trouvera, ce sont nos lits, de l'eau et cette chaîne. Cette chaîne? Mais non, regardez mieux. Il y en a deux, enfin, de ces fichues chaînes. Tu ne vas pas nous proposer de tirer, si? Si, exactement. Les deux chaînes ont la même priorité. Si on tire, en principe, on devrait diminuer leur durabilité. Tiens-la bien. Oh, yes! Ouf! Oui! Oh! Aïe, j'ai perdu 100 de vie avec ça.
C'est pas trop cher payé encore. Batte-moi ça. On les a cassés. Bon. Je demande au cas où, Géo. T'es sûr de toi? Si on s'échappe d'ici et qu'on creuse la vérité sur Alice, on s'oppose frontalement à l'église. Si tu es incapable de te décider, tu ferais mieux de rester. Ouais, je sais. J'ai fait mon choix. Si je peux rentrer à Rulide avec Alice, je m'opposerai à l'église. Si ce chevalier est Alice, je trouverai la raison de son amnésie et je lui rendrai la mémoire. C'est le plus important pour moi. Tu l'as bien dit. Attiser Elonie dans la forêt, non? Il faut parfois agir sans se conformer à la loi. J'ai enfin compris ce que tu voulais dire. Non, d'accord. Bon, j'ai compris, tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Allez, on va. Ah! Personne ne les a entendus en fait. Bon, file avant que l'arrivée du garde. Ouais. Putain, ça fait 20 minutes que ça a commencé. On va dire qu'on a commencé le chapitre à 6 minutes. Ça fait 14 minutes qu'il y a de la putain de lecture. Enfin, mais au moins vous connaissez l'histoire de Sword Art Online. Allez, c'est Jason. Premier fight. Bah ouais, map 3. Ah, on va affronter Eldri. Oh, Eldri! Ouais, parce que je suis en train de re-regarder la saison 4. Bon, je sais qu'on n'est pas censé demander de l'aide, mais moi j'ai maintenant. Niveau 45! Oh putain, c'est vrai qu'elle a une épée de merde! Oh, tu vas prendre l'épée de Sachi, hein. Ouais. Ouais, bah tu prends l'épée de Sachi. Deren qui est parti. Il croit quoi? Allez. Lecture, combat. Piou! On devrait être en sécurité là. Devrait? Ouais, vas-y. Wow, Kirito, regarde, j'en ai jamais vu, mais pas de doute. Ce sont des roses, Kirito. Des roses, ça alors? Attends, vraiment? Toutes les fleurs du labyrinthe? Les roses sont précieuses et elle en a tant? Je n'arrive pas à y croire. Même maintenant, on est vraiment à la cathédrale centrale. Pas en tant que chevalier, comme on l'espérait, mais en tant que comme des fugitifs. Mais si ça se trouve, on a eu raison. En devenant chevalier, on aurait peut-être fini quand même. On aurait pu se retrouver avec des souvenirs modifiés. Et si c'est le cas, pour tous, qui pense-t-il donc être? Même si on scelle les souvenirs d'un chevalier, il sait qui sont ses parents, où ils sont nés, non? C'est le fondement même d'un être humain, après tout. Je pense que c'est dur de falsifier. Ah oh, putain. Mais oui, un chevalier peut aller où il veut à d'autres dragons. Même si on lui donne de faux souvenirs, en visitant sa patrie, il comprendra vite la supercherie. Kirito, dis donc. Tu t'es dit qu'on trouverait de quoi me rendre à la mémoire? Non, ce n'est pas. Toujours à te faire du souci. Je te l'ai dit, que mes souvenirs reviennent ou pas, j'irai jusqu'au bout du voyage avec toi. Je suis plus un gamin. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Tu m'as dit plusieurs fois ça. Mais tu vois, je me disais que notre voyage touche à sa fin. S'il doit se finir, autant que ça soit avec une fin heureuse, hein. Tu rendras la mémoire à Alice et vous rentrerez à Rulide. Mais là, tu auras encore à choisir une tâche sacrée, non? Tu ferais mieux d'y réfléchir la prochaine, durera toute ta vie. Là, tu vas un peu vite en besogne. Ma tâche sacrée, c'est ne pas mourir. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, bûcheron, ça va bien. Tu m'étonnes. Allez, allons-y.
Vu du ciel, hier, cet endroit était un vrai labyrinthe. Sortons du labyrinthe au nord ou au sud de la cathédrale. Le labyrinthe. Ah ouais, je découvre, hein. On entend des cloches sonner là à l'heure. 4 heures du matin, encore une heure avant l'aube, c'est ça. Quel genre de mur pourrait trouver là-dedans? Oh, on trouve quand même des slimes de niveau 40, hein. Après, je m'en fous. Enfin, en vrai, j'avoue, j'ai pris le renfort pour Eldry, hein. Ça se trouve, il sera pas là. Hein. Allez, allez, on va. Bam! Dodo! Et c'est Yuki qui va finir. Ah, en vrai, c'est des animations stylées, hein. Ça, faut se le dire. Hein. Mais bon, 4 coups, c'était simple. Hein. Allez. Avec toutes ces roses... Non, peut-être pour trouver nos épées en utilisant nos arts sacrés. Bonne idée. System call. Generate Umbrella Elemento. Et je crois que c'est Umbrella Elemento. Hein. C'est reparti pour du fight, 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 fight. Ah, les... Non, fight, fight, fight. Allez, c'est qui? Il va mettre un coup sur qui? Sur l'IFA. Et en plus, inflige du poison. Voilà, inflige ton poison ailleurs. Et me casse pas les couilles. Putain. Allez. On doit commencer par s'y infiltrer pour les récupérer. Il faudrait déjà sortir de ce labyrinthe et trouver l'entrée. Il y a de tes ennemis dans la roseraie, tu es prêt à te battre? Bah ouais! Je suis là pour moi! Ah, moi je suis là pour, hein! Je veux pas fuir! Je veux juste te tuer! Ouais, c'est mieux de le tuer. Oh putain, je le tue pas! Oh, c'est quand, Mother Rosario? C'est là. Ok, je pense que j'ai une meilleure idée. Ouais. Rotation. Merde. Rotation. Rotation, voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, on la voit son attaque stylée. Et en plus, si on gère bien, oui. Vous allez voir, regardez. Et voilà. Toujours faire du sol rapidement, efficacement. Moyen, fort, ouais. Énorme. Fort. Moyen, voilà. Oh, ça devrait aller vite, hein. En vrai, c'est le jeu, il est bien fait. Hein. Il manque l'IFA. Et l'attaque finale. Ceux de 102.
Ouais, j'en attendais pas moi. Bon, j'avoue que j'ai juste fait pour tester. Hein. Comme ça, j'avais fait gagner des niveaux aussi. Oh, la place de la roseraie. Les roseraies place. Yeah! Ah ouais. Pff, loin, loin, loin. C'est là où le dragon nous a déposé hier. Une carte de la roseraie n'aurait pas été de refus. Damalis, mon maître, est d'une grande sagesse. Oh, Eldri. Elle prédit l'improbabilité, l'improbable, l'évasion de prisonniers. Hein? Un chevalier de l'intégrité? Damalis, votre maître? Bah ouais. Et tu vas faire quoi? Bon, au moins j'ai pas eu besoin de son de fallait que j'ouvre tous les coffres, mais bon bah vu que je les ouvre qu'à moitié, hein, c'est là qu'on affronte Eldri, Synthesy 31. Allez, c'est parti. Manqué. C'est parti, 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 parti. On va prendre de l'aide, on sait jamais. Vous en dites quoi? Aide ou pas aide? Putain, là, c'est Dame Fanatio. Ouais, pas aide, y'a pas l'aide que je veux. Putain, on va améliorer tes compétences en deux speedo. Juste pour te donner un peu plus d'attaque. Hein. Puis on part au fight. Oh putain. Ah, c'est un petit coup de fatigue là. Il est 15h52. Allez, c'est parti. J'ai reçu l'ordre de passer la nuit ici au cas où que vous fuiriez. Je n'y croyais pas, mais vous voilà. Bien entendu, vous retournerez en cellule sur le champ. Mais une petite correction s'impose avant. J'imagine que vous y êtes préparé. Dans ce cas, tu te doutes qu'on ne va pas se laisser corriger sans rien faire. Quel aplomb. Vous honorez la Pour honorer ta témérité, je vais me présenter. Je suis le chevalier de l'intégrité Eldri Synthesy 31. J'ai été invoqué. Il y a un mois, et je suis un novice sans attribution. Je vous prie de m'en pardonner. Ouais. Je reçois 19 à 16h, moi. À quel moment? Eldri, ça me parle. Il faut se battre, je le prends en premier. Attends mon signal. Attendez. J'utilise cette chaîne comme arme. Je me servirai donc de ceci à la place de mon épée. Système Call. Enhance Armament. Tu apparais mon fouet écaillé de givre, un objet divin. Au premier coup d'œil, je vais bloquer son fouet. Profites-en pour l'attaquer. Entendu. Cher prisonnier, Tâchez de m'amuser un peu. Ah bah. Hein. On va t'amuser. T'es pas prêt. Allez, Yuki. Ça lui enlève pas beaucoup de vie, hein, tout ça. Yuki, c'est faible, hein. Allez, Lifa. Putain, Lifa, c'est faible aussi. En plus, il attaque pas tout de suite, hein. Il attaque dans pas mal de temps. On a le temps de baisser sa montée à zéro. Hein. Comme prévu, à zéro. Et il risque d'attaquer deux fois d'affilée. Mais regardez. Attends, Kirito, Lifa, Asna,
Yuki, Kirito, Asuna, Lifa et lui. Mais putain, mais il est pas prêt d'attaquer. Il va se faire tuer avant. Mec, il va crever avant que je t'ai touché. Avant que tu m'aies touché. C'est chaud. Oh, mais ça, là, c'est chaud. Tu m'as même pas encore touché que tu seras mort. C'est honteux d'un chevalier de l'intégrité, hein. Alors c'est ça, un chevalier de l'intégrité. Bah, je retiens que c'est de la merde. Oh là, j'ai pas besoin de faire la production. Le fouet, il s'est scindé. Bon, la fin de faire la traduction, quand ça fait... Yujiro, tu ne te relèveras pas. Le coup d'œil vers son partenaire, c'était un signal. C'est pas fini. Qu'est-ce que... J'ai parlé trop vite. Je n'aurais jamais cru que tu m'infligerais une telle blessure. Merci bien. Ah bah... Ah quoi, tu m'as pété la cheville? Oh bah je m'y attendais pas. Oh bah t'inquiète. Merci. Hein. Mais pourquoi tu me dis merci? Oh mais va te faire foutre. Hein. Parce que bah c'est pas fini. Two wave. Yeah. Two wave. Putain, même quand c'est un petit chapitre, ça va quand même prendre 40 minutes, hein. Ça va, j'ai que des héros 4 étoiles sauf un. J'ai bien géré. suite. Cela dit, ta technique et ton style me sont familiers. Ah. Tu n'aurais pas déjà affronté un épéiste du style Serut, par hasard? C'est absolument impossible, jeune prisonnier. J'ai été invoqué dans ce monde il y a à peine un mois. Quand tu dis invoqué, on dirait que tu as été appelé dans le monde des hommes. Que... Hein? c'est reparti. Oh, les seuls dégâts qu'ils vont me mettre. Ah, oui, parce que j'avoue qu'après, là, il est pas prêt d'attaquer. Hein. Ah, je me mange, j'ai 4000 de dégâts. Et je reviens. Ouais, bon, ça s'est passé, mais bon. Enfin, je baisse surtout ta volonté. Parce que comme ça, je sais que tu vas vite te faire enculer. Et voilà, volonté à zéro dans pas longtemps. Maintenant. À zéro, volonté d'annulation, il fait retard. En plus, il est pas encore prêt d'attaquer, ça va encore faire pareil que tout à l'heure là, t'as juste été bien placé. Mais bon, à part augmenter ta volonté et me mettre un peu de dégâts que je me sauve facilement. Bah voilà, moi je t'encule. Bon, ouais. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, ça fait un an que j'ai mon appart. C'est l'anniversaire de mon appart, hein. J'avoue que... Dans les commentaires, vous verrez cette vidéo qu'en octobre, mais s'il vous plaît, dites bon anniversaire à mon appartement. Parce que ça se trouve, je l'aurais plus d'ici là. Ouais. Et puis, bah, dans une semaine, le vendredi 11 septembre, c'est mon anniversaire. Ce qui fait que bah, je prends 21 ans.
Ouais, 21 ans, putain de merde. Ouais, voilà, ça c'est... Je t'ai explosé, connard. Même pas besoin de faire le switch. Chef. Alors je ferai preuve de pitié en faisant ta conscience. Ouais, ça va devenir un vrai serpent. Wow. Ouais, elle est on dirait qu'elle a un peu buggé l'animation. Dire que tu m'as forcé, moi Eldri, à libérer les souvenirs de mon armée. De mon arme. Damalis se méfiait. A raison. Tes attaques n'ont aucune forme. Et en plus, tu déjoues mes prévisions. Tu déjoues mes prévisions. Je sais. Je me disais bien que j'avais entendu votre nom quelque part. Vous étiez le premier représentant de l'Empire de Northlang cette année. Vous aviez remporté le tournoi des quatre empires, Eldri Holzburg. Quoi? J'étais un épéiste représentant de l'Empire du Nord, Eldri Holzburg? C'est ça. Votre élégance d'escrime vous a permis de remporter tous vos matchs d'un coup. C'est faux! Je suis un chevalier de l'intégrité, Eldri Synthesis 31. Je ne connais pas ce nom, Holzburg. C'est l'archevêque suprême, l'administrateur qui m'a invoqué. Un chevalier de l'intégrité depuis le monde céleste. Qu'est-ce que... C'est ça qui a causé l'amnésie d'Alice et son changement de personnalité. Eldri Holzburg. Yu-Gi-Oh. Tu ne sais rien d'autre à propos de lui? Trouve n'importe quoi qui réveille ses souvenirs. Eldri. Vous êtes le fils d'Ezel Holzburg, commandant des chevaliers impériaux. Votre mère se nomme... C'était... Armel, oui, Armel. Armel. Il a des souvenirs de sa mère. Maman. Ouais, souviens-toi de tout. Maman. Maman. Vas-y, rentrez. Elle était rentrée. Armel. Maman. Oui, souviens-toi de tout. Ah, une flèche. Chito. Girito, tout va bien. Ah, les sous-boss. Hein. Un chevalier de l'intégrité. Pêcheur, éloignez-vous du chevalier 31. Vous avez osé tenter de provoquer la déchéance d'un chevalier. Je transpercerai tous vos membres avec eux avant de vous enfermer. Cours. Run. Par ici, vite. Combien de flèches est-ce qu'il a, bon sang? Ouais, bah t'as commencé à parler, mais on n'a pas compris. Bon sang. Ouais. Vite, par ici. Hein? Il en a tiré plus de 30 tout à l'heure. Putain. C'est un cul-de-sac. Hé, par là. Ouais, c'est cardinal. Sauter dedans. Aïe. Oula. Et voilà. J'ai été détecté. Abandonnons cette porte dérobée. Merci de nous avoir sauvés. Enchanté, je m'appelle Yu-Gi-Oh et lui c'est Kirito. Merci, on vous doit la vie.
Et vous habitez ici, c'est ça? Quand C'est cela. Mais ce n'est également pas le cas, suivez-moi. Vu que j'ai effacé la porte d'origine, nul ne peut entrer dans cette grande bibliothèque. Une grande bibliothèque? Oui. Elle renferme l'histoire du monde et les formules structurelles de toutes choses. C'est la totalité des commandes, ça, et la totalité des commandes système que vous appelez art sacré. Mais qui êtes-vous à la fin? Cardinal, j'étais l'ordinatrice de ce monde. Mais je ne suis plus que la libraire de ce lieu. Cardinal. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, bah, c'était pas compliqué en soi. Chapitre 5, efficace, rapide. Hein? J'ai débloqué un truc. On dirait que j'ai débloqué un truc bah, que je vais aller faire plus tard. Allez, tac. J'ai des cadeaux. J'ai des cadeaux et j'ai réussi des quêtes. Je ferai le chapitre secondaire à part, hein. Oui, parce que c'est que des combats, très peu de lecture, pas intéressant quoi. Et puis vous remarquez qu'il n'y a plus de SAO, hein. De SAO original, il n'y en a plus, hein. Allez, ça c'est fait. La roseraie. Oh, le bigot! Il tient plus. Ouais. Tu sais, ça a beau avoir été un petit chapitre, c'est quand même 40 minutes, hein. Quand même un bon 40 minutes, hein. C'est chaud, hein, quand on y pense, hein. Parce que regardez, là, ça me marque au chapitre 6. C'est que ça veut tout dire, c'est que ça, c'est clairement un chapitre secondaire. Je vais voir ça. Ah ouais. Bah oui, de toute façon, comme ça me le met comme ça, c'est. C'est du secondaire. Et vous voyez, c'est que à part là, story, battle, battle, story, battle, story, battle, story, battle, battle. Enfin voilà, c'est que du combat. C'est juste pour dire. Bon, on se retrouvera dans le prochain épisode pour, bah, pour faire ce petit chapitre, hein. Bon, il va être court, hein, ça faut se le dire. Hein. C'est Yui, hein, là. Oui. Puis après, on va faire celui-là où il y en a un, deux. Oh non, M. Ah, mais M, c'est de là, c'est autre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, encore des petits chapitres parce que bah, c'est les. Voilà quoi. Sûrement des combats, des histoires. Le chapitre 8 aussi. Bah, 9 qui est aussi court, hein, clairement. Lui, je crois que c'est un autre qui est long. Voilà. Le 11, le 12 et le 13. Qui est court. Faut se le dire. Le 13 est court. Putain, le groupe maillot vert à 5 bornes. Dabe! Voilà. Vous avez un peu le programme pour les prochains jours. Oh, si je suis déter, je tourne l'épisode de. Épisode 6 où bah, je le tourne ce soir. Un peu plus tard. On verra de mon état, de mon humeur surtout. Allez, sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. Peace.